Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de prendre place. Il manque un certain nombre d'élus, un nombre certain même, comme dirait l'autre.
Bien, mes chers collègues, je vous propose de prendre place. Salut Christophe. Comment tu vas ? Comment s'appelle le directeur général de l'Alpexpo ? Mes chers collègues, je vous propose de prendre place. Nous allons démarrer. J'invite les élus métropolitains à s'installer. Bien. Avant d'évoquer quelques mots d'introduction, vous me permettrez, et avant de laisser présenter une courte vidéo de 5 minutes qui va tout simplement résumer les travaux, le processus de la Convention citoyenne. N'éteignez pas tout, peut-être, mais voilà, l'essentiel quand même. Vous me permettrez juste préalablement, avant quelques mots d'introduction un peu longs, d'abord, de remercier la présidente d'Alpexpo, Nathalie Béranger, ainsi que son directeur général, Jérôme Riff, l'ensemble des équipes d'Alpexpo, et je voudrais saluer aussi l'ensemble des équipes métropolitaines, techniques, administratives, pour nous permettre tout simplement de nous réunir ici, dans de bonnes conditions, de façon à ce que tout le monde puisse être là, et de travailler ainsi
pour cette journée spéciale, ce conseil spécial du conseil métropolitain. Et je voudrais vraiment les saluer. Je vous propose, sans plus attendre, de regarder cette vidéo de 5 minutes et je laisse la régie opérer. Il ne pourra y avoir de grandes transitions que si c'est l'ensemble de la société qui les porte. On est une génération qui va voir disparaître des glaciers. Vous êtes réunis ici pour discuter de sujets qui sont absolument fondamentaux pour notre avenir à tous. L'ensemble des métropolitains n'ont jamais échangé comme vous allez le faire autour d'un débat aussi important que celui-là. Pour les citoyens tirés au sort, nous avons véritablement fait attention à ce que le niveau d'intérêt pour l'environnement soit équivalent à celui de l'ensemble de la population du territoire. J'y crois, oui. Pour le moment, je pars hyper optimiste et j'ai hâte de voir ce qui se passera par la suite. Il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Moi, je souhaite que les travaux qu'on réalisera porteront leurs fruits. Que cet exemple soit dupliqué dans d'autres territoires. Merci beaucoup. Les phénomènes apparaissent et s'amplifient. Il est temps de se poser des questions importantes pour léguer quelque chose de cette belle nature à nos enfants. Le territoire métropolitain, il peut prendre sa part pour contribuer à cette neutralité carbone. Tout est possible avec les hommes, disait Jean Monnet, mais rien n'est durable sans les institutions. Quelle vie on aura en 2050? Quel est le chemin qui peut y mener? Quand on est sensibilisé, on arrive à se mettre ses propres contraintes, hein, quelque part. Parce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau bien, de ce nouveau vêtement, etc. Il faudra produire moins de t-shirts, produire moins de téléphones, produire moins de montres, produire moins de tout. Je sais pas ce que les entreprises vont accepter ça. Si t'as pas d'innovation, c'est foutu. Énergiquement autonome. Oui, mais ils sont déjà là, les barrages. On va quand même pas les supprimer. Ça augmente les problèmes de guerre et du coup aussi de flux migratoires. Ce qui est important, c'est de sensibiliser notre entourage. Plus vous êtes en situation d'inégalité sociale, plus vous avez de risques d'être exposé à des pollutions. Ce qui nous attend n'est pas facile, c'est certain. Il faut se lancer. La convention citoyenne, pour nous, est absolument majeure, avec tous les citoyens qui se sont mobilisés. Ça permet de sortir des solutions toutes faites. Dans le quartier, on est très, très impliqués. On est tous responsables du réchauffement climatique. C'est pas que les politiques, c'est pas que les industries. Prise en compte de la part des forêts privées dans la gestion des forêts de la métro. Il faut vraiment mettre le paquet sur les arbres, sur les îlots végétaux. Quand on a une ressource comme ça qui représente une grande majorité de notre territoire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus? Nos ancêtres plantaient des forêts pour leurs petits-enfants, pas pour eux-mêmes. Si je fais une analogie avec la politique, il faut essayer de voir plus loin. Si on consomme beaucoup local, ça va se faire. Il y a plein de choses qui sont mises en place déjà. Il n'y a plus qu'à sensibiliser plus les gens. Faire en sorte que lutter contre le réchauffement climatique devienne quelque chose de positif pour tout le monde, c'est à ce moment-là où les gens vont adopter une sobriété de eux-mêmes. Il faut faire les actions pour expliquer. Ça y est, on est dans l'action. Le vote est ouvert. C'est une expérience extrêmement nouvelle, extrêmement forte, sur le plan d'une nouvelle forme de socialisation, de socialité. 87,8% approuvent le rapport. Vous nous avez montré un bel exemple de solidarité. C'est véritablement des mesures qui reflètent l'acceptabilité d'une partie de la population représentative de l'ensemble de la population du territoire. Nous attendons que nos efforts soient reconnus et que nos propositions soient prises en considération. Nous enjoignons les élus d'avoir le courage de les mettre en place, même si elles sont impopulaires. Merci d'être là à nos côtés, ne nous lâchez pas. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons collectivement en tant qu'élus agir. Et merci en fait de ces éclairages, de nous pousser à être plus ambitieux et plus ambitieuses sur ces sujets-là. Toutes ces actions finalement que vous nous avez proposées, elles sont vertueuses, personne n'en doute, mais à quelle échéance? Mais je sais que politiquement ça va nécessiter des arbitrages et c'est extrêmement difficile. Le climat nous oblige, la pauvreté nous oblige, l'emploi nous oblige, tout nous oblige.
La neutralité carbone de la métro en 2050 ne doit pas souffrir de querelles de chapelle non plus. Ça, c'est un des plus gros efforts qu'il faut poser. Comment finalement on arrive à porter une conscience collective sur les grands enjeux? L'exercice gagne à être continué, probablement amplifié. Et permettra en fait de diffuser une forme de conscientisation de l'urgence climatique qui touche d'ores et déjà le territoire métropolitain. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce jour pour un second conseil métropolitain exceptionnel autour de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Le 14 octobre dernier, déjà, un premier conseil métropolitain dédié avait permis de découvrir l'ensemble de vos 219 propositions et d'écouter attentivement le récit de vos échanges, les réflexions, les travaux durant vos 5 sessions de travail en 2022. Votre mission, c'était proposer des réponses à 2 questions, ô combien importantes, mais ô combien difficiles. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Notre mission, examiner l'ensemble de ces propositions, les travailler et leur donner vie. C'est ce que les élus métropolitains ont fait depuis octobre et aujourd'hui sont proposées au vote les délibérations qui découlent de vos travaux. Avant d'ouvrir ce conseil métropolitain, je tenais chaleureusement et sincèrement à vous remercier. Toutes et tous, au nom du Conseil métropolitain, pour votre détermination, votre engagement tout au long de ces mois de travail. Vous nous l'aviez expliqué et nous l'avons vu dans ce film, ces séances de travail n'ont pas été vaines. Après de nombreux débats, échanges, moments d'écoute et de partage, de nombreuses propositions nous ont été faites et il est désormais de notre devoir qu'elles ne restent pas lettres mortes. Vous nous avez enjoint en octobre dernier d'avoir le courage de mettre en place vos propositions. C'est cette dynamique que nous enclenchons aujourd'hui à vos côtés grâce à l'investissement des services et des élus métropolitains que je remercie vivement et là aussi très sincèrement. Le contexte international, l'urgence climatique nous oblige et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un conseil métropolitain délocalisé à Alpexpo qui nous permet de partager ensemble ce moment démocratique. J'ouvre donc la séance en désignant un secrétaire de séance. Il est proposé Cédric Garcin. Y a-t-il d'autres demandes ? Non. Je vous informe des absents excusés. Léa Assali, Annabelle Breton, Philippe Cardin, Alain Carignon, Sylvie Genin-Lomier, Corinne Lemarié, Lionel Picolet, Guy Soto, Salima Djidel. Je voudrais saluer et remercier ici Sabine Lavorel et Thierry Ménissier et l'ensemble du comité autour de vous qui avait permis de tenir et d'être finalement cet espace qui a garanti ce qui était absolument nécessaire. Et au travers de vous, je voudrais saluer l'Université Grenoble-Alpes et son président de nous avoir permis ainsi à la fois de bénéficier des locaux pour vos travaux, mais aussi de votre investissement en tant qu'universitaire. Un grand merci. Je voudrais vous saluer ici à peu près 30 membres de la Convention citoyenne sont ici aujourd'hui présents. Merci à vous d'avoir pris cette journée pour être à nos côtés, pour être ensemble. Et je voudrais évidemment saluer l'ensemble des citoyennes et des citoyens engagés. Quelques mots peut-être de méthode. Il est de coutume au Conseil métropolitain que nous avons plutôt tendance à aimer les débats. C'est plutôt une marque de fabrique de ce Conseil, indéniablement.
Et je pense qu'il faut le respecter et finalement toujours nourrir ce terreau fertile de débat. Néanmoins, aimer le débat n'enlève pas non plus la nécessité de l'esprit de synthèse. Aussi, préalablement, j'invite les vice-présidentes et les vice-présidents qui vont s'exprimer à la synthèse, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent tout simplement montrer l'exemple à l'ensemble des conseillers métropolitains pour pouvoir tenir tout simplement notre timing. J'y serai attentif. La conférence des présidentes et des présidents de groupe m'a demandé à l'être. Donc je vais essayer de respecter largement cela. Je vous propose donc de démarrer par cette première délibération sur la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat, démarches et principaux enseignements. Trois rapporteurs sont sur ce sujet, Pierre Véry, Pascal Clouet, Raphaël Guerrero. Et je laisse la parole à... c'est Pierre Véry qui démarre, c'est ça? Alors, vous avez vu tout à l'heure, il y a un petit schéma qui montre les boîtiers. À gauche, à droite, pour pouvoir bien indiquer qui vous êtes. La parole est à Pierre Véry. Ouais, bon. A priori, cela fonctionne. Bonjour, mesdames et messieurs les élus. Bonjour aux conventionnels. Bonjour aux deux coprésidents et aux membres du comité opérationnel. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce bon et ce grand moment d'échange. Quelques mots sur la genèse de la Convention citoyenne pour le climat. On le rappelle que face à l'urgence climatique et à l'ampleur des changements de mode de vie, de production et de consommation à opérer pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle planétaire, partant du constat que ces changements ne pourront se faire sans l'adhésion des citoyens, le Conseil métropolitain a décidé, par délibération en date du 29 janvier 2021, la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat. On rappelle que dans notre métropole, le changement climatique est une réalité. Les 2 degrés de réchauffement climatique sont déjà atteints dans notre métropole, de par l'effet cuvette d'une vallée glaciaire très plate où la mobilité, notamment les vélos et les pistes cyclables, peuvent se développer. Néanmoins, l'effet cuvette fait que les 2 degrés sont déjà atteints, alors qu'en moyenne, vous avez un réchauffement de 1,4 degré sur le reste de l'Hexagone. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que les gaz à effet de serre qui sont responsables de ce réchauffement climatique sont d'une part des émissions directes, mais d'autre part des émissions indirectes, qui pèsent pour plus de la moitié des émissions. Et ces émissions indirectes sont liées à nos modes de vie, nos comportements. Les vêtements que je porte, s'ils viennent de Chine, eh bien, ils ont un impact carbone bien plus important, la façon dont je m'alimente ou je me déplace. D'où l'intérêt, bien évidemment, de mobiliser les citoyens, car leur rôle, notre rôle, est fondamental pour combattre ce réchauffement climatique. Alors donc, le panel de citoyens représentatifs du territoire a été mandaté pour dresser des propositions afin d'accélérer la réduction des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'étaient les 2 questions qui leur étaient posées. Alors, de façon à les accompagner, un comité opérationnel, dit COMOP, composé de 10 personnalités, était chargé d'organiser leur travail. Ses membres, pour la grande majorité d'entre eux, étaient des universitaires, des experts, rattachés à l'Université Grenoble-Alpes et relevant de différentes disciplines, sciences de l'environnement, philosophie, droit, sciences politiques, psychologie comportementale. Concrètement, ce sont 3 missions que le comité opérationnel a assurées. Organiser le tirage au sort des citoyens, en établissant les critères de représentativité adéquats. Garantir la qualité et la pluralité des informations données aux citoyens. Et enfin, élaborer le programme et les méthodes de travail de la Convention citoyenne. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal, qui va poursuivre cette présentation. Pascal Clouet. Merci, merci, Monsieur le Président. Comment gouverner ensemble, ensemble? Au fond, c'est la question que nous pose la Convention citoyenne pour le climat. Et
Il faut être lucide. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. René Char. Et cette lucidité nous oblige, elle nous oblige aujourd'hui à faire le constat d'une situation climatique qui est sans doute le problème numéro un, le problème du siècle, qui va entraîner d'autres problèmes, d'autres crises très difficiles à gérer qui, si nous ne faisons rien, si nous ne les surmontons pas, collectivement conduiront à un monde invivable. Je cite une des conclusions récentes du GIEC, il y a quelques mois, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui sonne comme une alarme. Limiter le réchauffement est un défi colossal, mais nécessaire pour maintenir des conditions de vie supportables sur Terre. Je voudrais aussi, mes chers collègues, nous rappeler quelques alertes de toute sensibilité politique depuis 50 ans bientôt, de René Dumont en 1974. Si nous continuons la production industrielle à ce rythme, nous allons à l'effondrement total de notre planète. À Jacques Chirac, en 2002, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Jusqu'aux plus jeunes, récemment, qui ont la peur de la catastrophe environnementale, Greta Thunberg, en 2019, nous sommes au début d'une extinction de masse. Être lucide, c'est aussi dresser le constat d'une dégradation générale du climat public, d'un essoufflement du jeu politique, d'un sentiment de déficit démocratique, d'une crise de la représentation, du lien entre représentation et élection. Et dans ce moment de lucidité, nous avons souhaité créer un espace de dialogue démocratique, de réflexion collective. Cette convention s'inspire de la Convention nationale pour le climat. Je rappelle que la Convention nationale est née dans un contexte, le contexte que vous connaissez tous, des Gilets jaunes, qui avait conduit le gouvernement à proposer le grand débat national, puis à proposer que 150 citoyens tirés au sort et représentatifs de la population répondent à la question de la réduction des émissions des gaz à effet de serre en proposant des solutions qui devaient être soumises sans filtre, au Parlement, voire au référendum. Le chef de l'État avait déclaré à propos du sans-filtre « Si ce qui sort de la Convention, c'est un texte quasiment rédigé, précis et qui peut être appliqué, il sera appliqué sans filtre ». Par la suite, le président de la République précisait « Ça dépend de la nature des mesures ». Puis, quelque temps après, il nous disait « Se donner trois jokers ». Le sans-filtre s'était légèrement voilé et on connaît la suite. Appelés à se prononcer sur la manière dont le gouvernement reprenait ou pas leurs mesures, les conventionnels avaient donné une note de 3,3 sur 10, jugeant les réponses insuffisantes, dans le sens où une trop faible proportion des propositions avait été reprise. On se souvient toutefois, Monsieur le Président, de quelques mesures, entre autres la ZFE, que nous avons longuement débattue lors de notre précédent Conseil, le Nutri-Score, le renforcement du malus automobile, l'interdiction des terrasses chauffées. Cette convention nationale, une première expérimentation, a eu des limites, mais elle a eu aussi des vertus. Et nous avons choisi d'en reprendre la méthode, une méthode éprouvée et solide. Et nous avons aussi souhaité dépasser les limites en donnant réponse sans filtre à toutes les propositions, les 219 de notre convention. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le président s'est engagé à ce que toutes les réponses soient étudiées et que réponses soient faites de manière précise à l'ensemble des propositions des conventionnels. Ce qui est le cas dans les délibérations qui vous sont soumises. En annexe 2, vous avez une réponse point par point aux propositions. Les personnes qui ont été engagées dans notre démarche, qui sont ici présentes, je les salue, nous ont témoigné d'une expérience humaine forte. Ça change. Ça change les opinions des personnes qui y ont participé. Et pour nous, les élus, Pierre et moi, qui ont suivi cette expérience, ça nous a renforcés dans notre conviction qu'il nous faut apprendre à gouverner plus collectivement. La démocratie, mes chers collègues, c'est l'addition, c'est pas la soustraction. Les institutions ne sont pas contestées par les conventionnels. Au contraire, ils ont déclaré être en confiance et adhérer au principe de la démocratie représentative. Nous avons demandé aux 100 citoyens de la Convention de trancher, de décider, mais nous n'avons pas demandé, aux 100 citoyens de la Convention de trancher, de décider, mais de proposer et d'éclairer nos décisions. Par exemple, lorsque nous avons évoqué avec eux la question de la voie référendaire pour arbitrer leurs propositions, ils ont préféré que ce soit
nous, mes chers collègues, les élus qui tranchions. Car ils ont eu l'expérience de la Convention, de la nécessité d'être informés, de débattre, d'argumenter, de négocier ensemble des solutions qui tiennent compte à la fois des nécessités scientifiques et de la faisabilité sociale. En revanche, nous tirons de cette expérience que l'élection ne suffit plus, que la démocratie représentative n'est plus adaptée seule pour faire face aux enjeux de notre temps, qu'il nous faut refonder une citoyenneté par la participation en partant des problèmes et en dessinant des solutions avec celles et ceux qui les vivent, que ce qui fonde cette citoyenneté, c'est l'expérience, l'usage, la volonté de s'engager. Tout au long du rapport qui vous a été présenté le 14 octobre dernier, les citoyens ont appelé à une forte intervention publique, tant en cadrage qu'en financement. Ils ont identifié deux conditions essentielles pour atteindre l'objectif. Un, prêter une attention très forte à la justice sociale. Et deuxièmement, embarquer le plus grand nombre. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, les citoyens ont engagé une ambitieuse démarche de présentation et de diffusion du travail sur invitation des équipes municipales. Les ambassadeurs ont présenté leur rapport dans une vingtaine de communes. Je voudrais remercier les maires qui ont invité les conventionnels à venir présenter leurs travaux. Ils peuvent témoigner de la chose. Et puis aussi remercier l'ensemble des groupes politiques, y compris des groupes politiques de l'opposition, Monsieur le Président, qui ont pris le temps de recevoir tous les conventionnels pour les écouter et dialoguer avec eux. Et la Convention a soulevé tout au long de ses travaux la question de l'acceptabilité, de la faisabilité sociale, sociétale, des changements profonds à mettre en place. Il y avait toujours, mes chers collègues, dans le débat, une tension entre deux polarités. D'un côté, la contrainte, et de l'autre, l'incitation. Et les propositions qui nous sont faites dans leur formulation tiennent compte de ces débats, de la recherche permanente d'un consensus, il fallait une majorité de 60% pour valider une proposition. Et d'une façon générale, les membres de la Convention invitent à privilégier des actions de sensibilisation, de communication, de formation, d'incitation, d'enrôlement en quelque sorte, bien qu'il y ait aussi des propositions de réglementation et de contrôle. Pour répondre à leurs propositions, ont été identifiées en premier lieu les actions relevant de la compétence de la métropole et les autres interpellant plusieurs acteurs. Cela a permis de préparer la transmission des propositions aux acteurs et institutionnels concernés, l'État, la région, le département, les communes, bien sûr, les satellites de la métropole. Pierre Véry, tout à l'heure, nous présentera une délibération qui présente ces propositions qui seront transmises à ces acteurs. Le travail d'instruction a ensuite permis de distinguer parmi les propositions les actions déjà engagées et bien dimensionnées par la métropole, celles qui sont engagées, mais dont l'intensité, le périmètre, la rapidité, le délai de mise en œuvre doit être renforcé, et celles qui ne sont pas encore engagées et qui font l'objet des débats qu'on aura aujourd'hui. Ainsi, sur les 239 propositions instruites, 219 propositions prioritaires à plus de 60% et 20 non prioritaires votées à plus de 50%, le président a tenu à ce qu'on regarde toutes les propositions, y compris celles qui étaient simplement à 50% en quelque sorte. 44 propositions mettent en évidence des actions identifiées par la Convention comme existantes et à poursuivre. 73% des propositions ont été identifiées comme déjà en cours ou programmées, dont une petite moitié qui sont indiquées comme en cours, mais à renforcer. Il convient alors d'interroger, ça fera l'objet aussi des débats, les moyens d'aller plus loin ou les leviers à lever par rapport aux freins rencontrés. Enfin, on a un levier 8.6 qui invite à faire en sorte que tout ce qui existe déjà soit visible, lisible, accessible et ciblé. Je vous donne une chose très simple. Les conventionnels ont découvert à cette occasion ce que faisait la métropole. Et donc, il y a nécessité de mieux faire savoir les actions entreprises par notre EPCI. Pour toutes celles et ceux qui seraient à mettre en place ou à développer des actions, ont été repérés les types de réponses possibles pour la métropole. Soutien financier ou non financier, action de sensibilisation, communication, intervention en maîtrise d'ouvrage directe. Aujourd'hui, pour finir cette présentation, la réponse du Conseil métropolitain à la vision et aux propositions de la Convention citoyenne se compose de 9 délibérations cadres qui seront portées par nos collègues
vice-présidents, conseillers délégués, qui suivent les 9 thématiques de la Convention, 6 notes ou délibérations de transmission des propositions, on en a parlé il y a 2 secondes, aux acteurs institutionnels. Et pour finir, nous présenterons une délibération finale qui présentera les suites à donner. Merci. Je laisse la parole à Raphaël Guerrero en invitant encore plus à la synthèse. Mais je sais que mes collègues le feront, donc je serai attentif. Raphaël Guerrero. Bonjour à toutes et à tous. Donc notre conseil de métropole doit aujourd'hui statuer sur les propositions de la Convention citoyenne. La question des ressources et de la mise en œuvre se pose automatiquement. J'associerai Michel Véret, puisque la ressource humaine métropolitaine sera majeure et déterminante dans cet exercice-là. Et puis aussi la question du financement de l'ensemble des actions, c'est-à-dire est-ce que ce que nous allons décider, nous pourrons le mettre en œuvre. Quelques rappels, certaines actions sont déjà chiffrées dans le budget 2023 ou dans le PPI. Rappelons-nous que nous avons voté il y a peu de temps à hauteur de 2,6 milliards à hauteur de 2030 et 1,6 milliard à hauteur de 2025. Et aujourd'hui, c'est environ 2/3 des actions proposées par la Convention citoyenne qui sont déjà dans nos tableurs, qu'ils soient budgétaires ou du plan pluriannuel d'investissement. On le sait aussi, certaines actions sont à chiffrer un peu plus par les services, en mesurer l'opérationnalité, la capacité à faire aussi du tissu économique. Certaines actions n'ont pas besoin de financement. Et aussi, certaines propositions doivent faire l'objet d'études plus poussées de la part de spécialistes type maîtrise d'œuvre ou cabinet. Donc tout ceci va se décliner dans le temps et il faudra que la ressource budgétaire s'adapte et s'affine à mesure que les choses évoluent. Alors très concrètement, en termes de méthode, comment faire ? D'abord l'état des lieux des actions qui sont déjà inscrites dans le budget de 2023, dans le plan pluriannuel d'investissement. Je rappelle les 2/3 de ces actions qui sont déjà présentes, de ce qui est réalisé, de ce qui est engagé, de ce qui est décalé. De travailler aussi sur notre prospective financière, et nous le ferons et nous le présenterons avec les coûts de l'énergie, les coûts de la dette. Comment pouvons-nous accompagner au mieux ce que nous avons décidé, ou en intégrant aussi les besoins supplémentaires que nous avons déjà pointer du doigt ensemble sur l'exemple des mobilités avec le SMAG ou avec les besoins de la SPLM TAG. Quelques rappels, nous avons voté très dernièrement quasiment 44 millions d'euros de soutien à ces outils-là qui sont majeurs. C'était 160 millions d'euros sur le dernier mandat, déjà de 198 millions d'euros, pardon, et déjà depuis le début de ce mandat, nous en sommes à 160 millions d'euros et on voit que les choses vont encore évoluer et je souhaite d'ores et déjà les intégrer dans la prospective financière. Il faut croiser l'ensemble de ces données, réaliser les arbitrages annuels à mesure des données qui peuvent nous arriver et je souhaiterais que chacun des membres de l'exécutif puisse s'impliquer dans ces propositions d'arbitrage et d'intégration des décisions de la Convention citoyenne. Et enfin, m'engager à faire le tour des groupes pour présenter, comme ça avait pu être le cas sur le PPI, l'ensemble des données de manière transpartisane, puisque pour que nous puissions avoir un échange qui soit au-delà des sensibilités politiques. La proposition, c'est d'avancer avec méthode, avec réalisme, mais aussi avec conviction. 2/3 des propositions s'en donnent aux outils budgétaires. Il y a aussi un gros tiers qui est encore à travailler, que nous puissions avancer de manière posée, réfléchie et surtout efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Voilà la délibération présentée, cette première. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Donc, je vois monsieur Alexandre Moulin-Comte. Aussi ? Non, c'est vous qui avez. Je vois très bien. Madame Spini, du coup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, en préambule, je tiens à remercier les citoyens tirés au sort qui ont participé à cette convention, débattu et formulé les propositions qui nous amènent à nous réunir exceptionnellement aujourd'hui. Leur engagement les honore et leur dévouement pour faire vivre cette convention est plutôt réconfortant à l'heure où la participation citoyenne, et notamment ici à Grenoble, est trop souvent l'apanage de ce que l'on pourrait qualifier de citoyens professionnels, soit une poignée de personnes que l'on retrouve dans tous les dispositifs. J'imagine à quel point l'exercice de cette convention a dû être passionnant pour eux,
à quel point les débats ont dû être enrichissants et je les remercie à nouveau pour leur travail qui nous permet de disposer aujourd'hui d'un support très intéressant pour, à notre tour, débattre des orientations de la métropole. Mais en préambule de ce conseil, au-delà du concert de louanges des uns et des autres, je soulèverai tout de même trois points qui, sans remettre en cause la mobilisation et le noble désintéressement des citoyens participants, grèvent, à mon sens, cet exercice de la Convention. Ma première objection, et c'est sans doute la plus contre-intuitive, je m'explique, c'est que ce genre de format affaiblit notre modèle de démocratie représentative. Notre système repose sur un fonctionnement très simple. Les citoyens élisent des personnes qui appliquent ensuite la politique pour laquelle ils ont été désignés. On pourrait débattre des heures de la crise démocratique que nous traversons, du supposé manque de représentativité des élus, du sentiment général de non-respect des promesses une fois ceux-ci arrivés au pouvoir et qui conduit à une abstention de plus en plus prononcée. Comme tout système, le nôtre a ses failles. Mais je ne pense pas que notre rôle d'élu se trouve réhabilité par les conventions citoyennes et autres mécanismes de tirage au sort des citoyens. Car selon l'avenir donné aux propositions, quelqu'un se retrouve forcément floué dans l'histoire. Soit les citoyens qui font l'effort de voter aux élections, à qui on fait finalement comprendre que ça ne sert à rien, puisque des personnes tirées au sort pourront, eux, décider de la politique menée à la place des élus. Soit les citoyens participant à la Convention citoyenne, car finalement, les élus font mine de consulter, mais choisissent d'appliquer ce qu'ils ont décidé. Ma deuxième objection tient plus au fond des propositions. Si les objectifs sont louables, la méthode parfois adoptée me semble plus discutable. Nous avons ainsi dénombré 37 propositions d'obligations nouvelles créées pour les collectivités, les particuliers et les entreprises, toutes formulées avec le sympathique lexique « imposer »,« obliger » ou encore « interdire ». Comme notre groupe l'exprime régulièrement, nous ne nous retrouvons pas dans cette société de la contrainte, de la remise en cause du pluralisme, voire carrément du déni démocratique, puisqu'il s'agit d'imposer l'acceptation d'un discours unique. Nous avons tous conscience de l'impératif de la lutte contre le changement climatique, tous ici dans cette salle et ailleurs, mais nous ne rejoignons pas ceux qui agitent les peurs sur le sujet et ont fait de cette méthode un fonds de commerce électoral ou d'autres qui collent docilement au discours à la mode par opportunisme. Et nous déplorons, comme nous avons trop souvent l'occasion de le déplorer dans cet hémicycle, que chaque fois les décisions à prendre soient présentées comme la seule alternative raisonnable et qu'il n'y ait pas d'autre solution. Sans aucune confiance dans le comportement et la responsabilisation des citoyens, et avec l'arrogance de ceux qui prétendent connaître parfaitement de quoi demain est fait. Sans que jamais, jamais, il n'y ait d'espace pour la variable humaine, par nature inquantifiable, pour ce génie humain qui nous a permis des avancées technologiques insoupçonnées. Qui nous a, par exemple, conduit à améliorer la qualité de l'air de manière continue ces dernières décennies, y compris dans notre métropole où nous suivons une trajectoire positive. Enfin, je voudrais conclure en rappelant que nous avons un devoir de vérité. Un devoir de vérité à l'égard des citoyens participant à la Convention, mais également à l'égard de tous les habitants de la métropole. Et ce devoir nous impose d'être parfaitement transparents sur la situation de notre collectivité et de ses capacités. Vous expliquez ainsi dans la délibération que les réponses métropolitaines seront traduites budgétairement dans le temps. Je déplore que ce travail n'ait pas été fait en amont. C'est un petit peu la charrue avant les bœufs. À marcher ainsi dans le brouillard, il y a un risque que ce que nous adoptions ne soit jamais suivi d'effet. Le débat budgétaire est passé. Nous connaissons tous la situation de notre collectivité pour laquelle vous avez fait le choix de l'endettement massif. Pour le volet mobilité, la SMAG également, dont la dette a explosé lors du mandat précédent. Et si les impôts n'augmentent pas cette année, vous n'excluez pas une future hausse.
ces considérations très terre à terre, j'en conviens, alors que vous souhaitez nous parler de l'avenir de la planète, sont pourtant le nerf de la guerre. Les propositions de la Convention, non chiffrées évidemment, sont facilement estimables à plusieurs dizaines de millions d'euros. La situation financière de la métropole ne permet évidemment pas d'y faire face. Si la question du quoi faire va être discutée aujourd'hui, le débat ne sert à rien si nous ne soulevons pas la question du comment faire. Alors, est-ce que c'est en augmentant les impôts, en creusant la dette, qui est déjà en fait l'impôt qui pèse sur les générations futures, comme une épée de Damoclès? Il est trop facile de s'émerveiller des travaux de la Convention sans se poser la question de la faisabilité. Et pour éviter simplement de prendre acte et faire preuve de bonnes intentions, cette question du comment faire aurait dû être établie en préambule. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Bertrand Spindler. Merci. Alors, je vais donner un peu le point de vue général, et puis après, dans les autres délibérations, on pourra aussi intervenir. Nous marquons aujourd'hui une étape importante pour la métropole, aboutissement d'un long travail, mais qui n'en marque pas la fin, puisqu'il y aura un suivi avec les sujets de la démocratie participative et les sujets du climat. Je salue le travail considérable des conventionnels, puis des services, pour aboutir à ces délibérations. Et ce travail, nous avons pu le mesurer, nous, élus, lorsqu'il s'est agi de se l'approprier pour en débattre aujourd'hui. Avec cette difficulté que beaucoup de sujets s'entrecroisent, même si pour la clarté, il a fallu séparer par thème. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui paraît simple et clair dans les annexes des délibérations, ce n'était pas si évident dans les travaux de la Convention, avec des votes qui parfois n'étaient qu'à une majorité, comprise entre 50 et 60%. Il s'agit d'un travail dérangeant de démocratie. La démocratie a d'autres formes que la démocratie représentative. Nous sommes d'abord des élus municipaux, élus sur un programme, représentant des habitants de nos communes auxquels nous rendons des comptes, et aussi des élus métropolitains, aussi représentant des habitants de nos communes auxquels nous rendons aussi des comptes, à ce titre métropolitain. Travail dérangeant, car la vision des conventionnels n'est pas la même que celle des élus. Mais elle est très utile, elle nous interpelle, elle nous interroge sur nos pratiques. Nous avons lancé cette convention citoyenne avec la volonté qu'elle soit utile et qu'il y ait un suivi. Car ne pas traiter ces sujets du climat n'est plus possible. La conscience collective progresse, l'acceptabilité progresse. Comme pour la ZFE, nous ne pouvons pas attendre et ne rien faire. Nous ne pouvons pas non plus aller trop vite. Il y en a qui disent que les réponses doivent se radicaliser, car c'est la réalité qui se radicalise. La réalité de la pandémie était radicale, et la solution radicale du confinement, la solution radicale de la perte de liberté individuelle a été acceptée. En Ukraine, la réalité radicale de la guerre a conduit un pays à accepter une économie de guerre et à la mort quotidienne de ses soldats. Pour le climat, les alertes sont nombreuses, les explications scientifiques sont nombreuses, les États du monde entier s'unissent pour partager les diagnostics et la volonté d'agir et l'urgence. Nous voyons ici la réalité des glaciers qui fondent, de la neige qui disparaît, des sécheresses et des canicules. Et pourtant, on voit bien que cela ne suffit pas. Malgré tous ces signaux, la perception des urgences n'est pas partagée. La taxe carbone a créé la révolte des gilets jaunes. On n'est pas au consensus. Il n'y a pas cette adhésion massive qui permettrait de trouver facilement le chemin. Il nous faut donc travailler à informer, expliquer, convaincre, être exemplaire. Mais nous ne croyons pas qu'il faille aviver les tensions sociales. Il faut chercher, au contraire, à réconcilier plutôt qu'à diviser. Cette convention citoyenne est un des outils de prise de conscience collective. Ce travail nous aide.
Bien des choses exposées ici, nous les avions mises dans nos programmes municipaux et nous les avions mises dans notre feuille de route métropolitaine. Ce travail de la Convention citoyenne nous sert à voir plus clair et parfois à mettre en évidence nos propres contradictions. Les sujets sont interconnectés, complexes, difficiles, subtils parfois. Il faut les traiter dans la nuance, en évolution, en transition. Il faut aussi avoir une vision mondiale globale avant d'arriver au local. Je donnerai dans la suite quelques exemples des paradoxes et des controverses intéressantes que cela suscite. Et je le dis dès maintenant, le groupe ACT a bien aimé toute cette démarche et votera ses délibérations. Merci, Monsieur le Président. La parole est au président du groupe NMC, Jean-Luc Corbet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je souhaiterais, au nom du groupe NMC, remercier et féliciter les membres de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat, pour leur travail et leur implication tout au long de ce processus. Ce travail était souhaité et organisé par la métropole. Pour notre groupe de la majorité, représentant 22 communes périurbaines et rurales, intégrant tous les enjeux climatiques, cette réflexion nous tenait à cœur. Ce fut un travail long et fastidieux qui s'est étalé sur plus de 6 mois pour vos phases d'échange et d'élaboration, avec pour objectif de répondre à 2 questions. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ? Chers constitutionnels, vous avez rempli cette tâche haut la main, puisque vous avez construit plus de 200 propositions d'action à horizon 2050 sur 9 thématiques différentes. Le panel que vous avez constitué représente fièrement notre territoire, avec toute sa diversité, ses richesses, mais aussi ses limites. Vous êtes d'âges différents, vous provenez de milieux sociaux divers, et vous habitez dans des communes et des quartiers très différenciés de la métropole. Cœur urbain, périphérie, zone de montagne, c'est la diversité de vos parcours et de vos modes de vie qui rendent vos propositions d'autant plus légitimes. Elles sont issues du consensus et proviennent de personnes dont la majorité n'avait pas de connaissances préalables sur ces thématiques. Je voudrais donc, au nom du groupe, vous remercier pour votre travail assidu, pour proposer des leviers concrets en faveur de l'environnement, tout en gardant en tête des valeurs qui nous sont chères, comme la préservation de nos biens communs, de nos services publics et la volonté de garantir une justice sociale pour tous. J'imagine que dans votre diversité, vous aviez des motivations et des perceptions différentes, mais vous avez su faire émerger des consensus sans verser dans le militantisme ou l'extrémisme. Vos propositions sont justifiées, argumentées, concrètes. Elles démontrent que l'explication et la prise de conscience rend possible les actions en commun. Elles facilitent la prise de décision politique par l'engagement des citoyens à agir à nos côtés. Celles-ci sont venues conforter l'orientation de l'action métropolitaine sur l'ensemble de ses compétences. Nous le verrons dans beaucoup des thématiques abordées. Vos propositions relèvent d'actions déjà menées par la métropole ou en cours de réalisation. Cela prouve, s'il fallait encore le démontrer, que les prises de décision des élus locaux ne sont pas si éloignées des aspirations des habitants. La métropole de Grenoble est engagée depuis plusieurs années dans des politiques publiques de préservation de l'environnement durable et solidaire. À nous de mieux mettre en avant l'action métropolitaine et de continuer dans ce chemin. Maintenant, plusieurs de vos propositions nous poussent également à aller plus loin, à sortir de notre zone de confort et à prendre des décisions, non pas parce qu'elles sont populaires, mais parce qu'elles sont justes, équilibrées, bonnes pour l'environnement, au bénéfice du plus grand nombre et du territoire. À nous aujourd'hui, métropole de Grenoble et commune, de se saisir des leviers que vous proposez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire et atteindre la neutralité carbone en 2050. En ce qui concerne les communes du groupe NMC, nous nous saisirons des propositions relevant des compétences communales à hauteur de nos moyens techniques,
humains et financiers, tout en prenant en compte les spécialités de nos communes périphériques, rurales et de montagne. C'est le sens de la délibération relative aux compétences communales que nous adopterons un peu plus tard aujourd'hui dans cette conférence. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Pierre Labrié. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas une déclaration de groupe, c'est une déclaration personnelle et qui sera très courte puisque les arguments que viennent de poser Jean-Luc Corbet et Bertrand Spindler sont tout à fait répondent tout à fait à l'intervention de Madame Spini. Donc, sur la question de la Convention citoyenne qui viendrait faire augmenter l'abstention. Mais alors, excusez-moi, et mettre en danger la démocratie représentative. Mais s'il y avait une façon de défendre la démocratie représentative, c'est bien justement d'être à l'écoute des habitants, des citoyens, des citoyennes, et pas de ne les voir que tous les 6 ans. Alors, si c'est votre projet, Madame Spini, ça n'est pas le nôtre. Ça n'est pas le nôtre. Et c'est même presque faire insulte à tout le processus démocratique que nous mettons en place dans nos communes et dans notre métropole depuis des années. Nos communes et notre métropole ont l'habitude, ont la volonté de faire participer et de permettre cette participation des habitants et des habitantes, qu'on l'appelle citoyenne ou conventionnelle, peu importe. Ce sont des groupes d'habitants qui ont des choses à nous dire et qui nous obligent. Alors le deuxième point, c'est ce que vous avez dit. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je m'attarde juste sur la question démocratique. On prendrait des décisions qui obligent et qui imposent. Mais oui, on l'assume. Et parfois, il faut savoir obliger les entreprises, les habitants, les collectivités aussi, à mener un certain nombre d'actions qui imposent. Bon, ben il se trouve que c'est le radical grammatical du mot impôt. Et donc, imposer, c'est gérer l'argent public. C'est ça, imposer. C'est gérer l'argent public, l'argent des citoyens et des citoyennes. Et pourquoi ne pas écouter les habitants quand ils ont quelque chose à nous dire sur la façon dont nous gérons leur argent et même notre argent. Donc oui, il faut obliger. Et ces délibérations, aujourd'hui présentées, elles nous permettent de nous obliger. On doit s'obliger parce qu'on gère la question collective. Donc voilà, je crois que l'écoute est très, très importante, surtout pour défendre la démocratie, surtout à l'heure où certains élus, et notamment l'un d'entre eux, a décidé de ne pas écouter ni le peuple, ni la rue, ni les citoyens et les citoyennes. Nous ne faisons pas partie de ces élus qui n'écoutent pas les citoyens et les citoyennes. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Damien Mermillot-Blondin. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, et mesdames et messieurs les conventionnels. Je ne vais pas m'exprimer sur les délibérations, puisque le président de mon groupe le fera. Moi, je voudrais simplement parler des principes politiques au sens d'organisation de la cité. Et je crois que les conventionnels qui ont travaillé, et je sacrifie au remerciement collectif avec toute la sincérité nécessaire, vous nous apportez 2 leçons politiques fondamentales. Et vous remettez en cause potentiellement certains de nos agissements. La première leçon, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la duplicité. J'entendais tout à l'heure le vice-président Pascal Clouer dire que la question force de tout ça, c'était comment gouverner ensemble. Ben chiche, Pascal, comment gouverner ensemble? On n'y est pas arrivé à la métropole. On n'y est pas arrivé. Et je crois que cette convention citoyenne nous donne une première leçon qui est que, en chacun d'entre nous, quand il n'y a pas d'extrémisme, chacun d'entre nous porte une partie de la vérité. Et quand ces conventions citoyennes d'horizons totalement différents, de communes, de catégories socio-professionnelles, d'engagement politique, est capable de sortir ça, il ne faut pas qu'on se tire trop du col pour commencer tout ça, parce que quand on dit que la question de base, c'est comment gouverner ensemble, nous ne savons pas faire. On n'a pas su faire, Pascal. C'était ici. Il y a quelques années de cela, on n'a pas su faire. Ça, c'est la première chose. Donc je pense, et je remercie vraiment les conventionnels, vous nous donnez aujourd'hui une leçon d'humilité, dont je prends ma part, c'est qu'il faut arriver, lorsque nous ne sommes pas élus sur des programmes, à pouvoir gouverner ensemble.
Le cas municipal est un peu différent, parce qu'on est sur des programmes, mais le cas métropolitain, avec le scrutin tel qu'il est aujourd'hui, ne permet pas cela. Il n'y a pas d'amertume dans mon propos et tout, hein, je n'avais pas de vocation particulière. C'est simplement quelque chose qu'on doit retenir quand même et s'interroger pour l'avenir. Parce que, puisqu'on parlait d'engagement citoyen et d'engagement d'électeur, quand une partie d'un électorat ne se retrouve pas, n'a pas son droit à la parole, alors qu'il n'y a pas eu de programme proposé, je pense qu'il y a un vrai problème de faire adhérer le plus grand nombre. Pascal Clouer disait qu'il fallait additionner, pas soustraire. Je le dis encore une fois, chiche. La deuxième leçon que nous prenons collectivement, je pense, c'est ce que disait mon collègue Corbet quand il disait que la parole qui sort des conventionnettes est une parole qui est équilibrée, même si il y a des propositions qui sont très fortes et qui montrent, et je ne fais pas injure aux conventionnels, qui ne sont pas, on va dire, dans la gestion quotidienne et dans comment on fait financièrement. Ce n'est pas marrant, cette question, mais elle se pose bien souvent là. De ne pas sombrer dans le militantisme et l'extrémisme. Et là, je remercie les conventionnels parce qu'il est mis fin, à mon avis, à des années de mystification politique. La question du climat ne doit pas faire l'objet de ce hold-up permanent, pour reprendre et modifier une citation de Mitterrand, des Verts et des écologistes. C'est une question, et les conventionnels, vous nous l'avez dit, et un grand merci, elle appartient à tout le monde. Et quand on met une centaine de personnes autour d'une table qui viennent de tous horizons, de toutes communes, privilégiées, pas privilégiées, d'un jardin collectif au pied d'un immeuble, tout ce qu'on a vu dans ce reportage, qui est très très chouette, qui est bien fichu, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Cette parole n'a pas été privée et préemptée par certains qui viennent donner des leçons. C'est intolérable et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Je crois véritablement que la leçon, c'est que cette mystification politique, il faut qu'on y mette fin collectivement et que chacune et chacun d'entre nous, avec nos convictions politiques, avec ce que nous sommes dans nos communes, privilégiées, moins privilégiées, grandes, petites, on se décomplexe et de se dire que chacune et chacun fait, chacune et chacun ne fait pas assez. C'est vrai, et les conventionnels savent nous le dire. Mais véritablement, je crois qu'on doit, avec le travail de vérité et de sincérité qui a été porté par les conventionnels, on doit, en miroir, l'avoir aussi, ce travail de sincérité. Et de dire que cette parole, pour le climat, elle n'a pas à être préemptée par certains qui donnent des leçons. C'est des leçons collectives que nous devons prendre, pas nous les donner les uns les autres. Et je crois qu'il faut véritablement arriver et entrer avec humilité dans ce document. En tout état de cause, un grand merci pour ces conventionnels. Ça permet de clarifier des choses et de montrer, je le redis encore et je vais m'arrêter là parce que je vais me paraphraser et ce n'est pas terrible. On peut faire ensemble. Ce tirage au sort nous démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir une conviction politique particulière. Je crois que la pensée du climat a maintenant infusé partout. Ce qui nous empêche d'agir, c'est le manque de travail collectif. Comment faire ensemble, disait Pascal Clouer. Allons-y, comment faire ensemble? Et aussi nos rigidités et nos lâchetés individuelles et collectives. Mais ça, je crois qu'il n'y a pas de parti politique particulier qui ont plus de lâcheté ou plus d'individualisme. Je crois que c'est le problème de chacun d'entre nous. Et que cela se traite aussi au niveau des citoyens, c'est quelque chose de très fort. Encore un grand merci pour les conventionnels. Merci d'être là aussi ce matin, de nous écouter. Vous allez voir comme on est capable d'être long. Je ne voudrais pas être un de ces exemples. Je vais donc m'interrompre ici, parce que les palabres, c'est intéressant, mais je crois qu'il y a véritablement besoin d'action et de faire ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Chloé Pontel. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après notre vote en 2021, actant la mise en place d'une convention citoyenne climat métropolitaine, nous allons aujourd'hui voter les délibérations qui mettent en œuvre les actions proposées par celle-ci. Nous souhaitons remercier les citoyennes et citoyens mobilisés, désormais appelés conventionnels, pour leur travail, leur mobilisation, leur réflexion et la construction de leur vision métropolitaine 2050, afin que notre territoire soit neutre en carbone à cette date et résilient face aux effets du changement climatique. Les propositions d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
inclut explicitement la justice sociale. Nous nous en félicitons. Merci aux services de la métropole d'avoir mis en œuvre le processus démocratique de la création du comité opérationnel en passant par le tirage au sort des conventionnels, l'organisation des sessions de travail sur les week-ends, le rapport final, l'organisation du tour des communes, la transcription de ce rapport en délibération et bientôt la déclinaison budgétaire. Merci aussi aux membres du COMOP qui ont apporté leur expertise pour piloter et garantir l'indépendance de la Convention citoyenne, ce qui est indispensable pour la bonne tenue de ce processus démocratique. En 2019, le président de la République annonçait la mise en œuvre d'une expérience démocratique inédite, la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention a réuni 150 citoyennes et citoyens tirés au sort pendant 9 mois pour produire une série de propositions visant à répondre à la question suivante : comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. La promesse du président Emmanuel Macron était soumettre les propositions sans filtre soit au vote du Parlement, soit à un référendum, soit à application réglementaire directe. La réalité est tout autre, avec seulement 10% des 149 propositions reprises sans modification et 53% des propositions rejetées ou non appliquées. En février 2021, lorsque les membres de la Convention ont pu se prononcer sur la manière dont le gouvernement reprenait ou non les mesures, la note est sans appel, 3,3 sur 10. Bilan bien médiocre. À nous de tout faire et de respecter nos engagements pour être largement au-dessus de la moyenne. Année après année, les catastrophes climatiques s'enchaînent et s'intensifient. Dans les Alpes, le climat se réchauffe deux fois plus vite qu'ailleurs. Les épisodes caniculaires et de sécheresse s'y amplifient chaque été par leur durée et leur précocité. Pour préserver l'idée même d'un futur collectif et désirable, l'heure est désormais à l'adaptation, à la redirection écologique, à l'atterrissage dans cet espace sûr et juste entre plancher social pour que chacune et chacun sur cette terre puisse subvenir à ses besoins et vivre dans de bonnes conditions, et le plafond environnemental pour respecter l'écosystème et les limites planétaires. Ici, dans notre métropole grenobloise, cela fait longtemps que nous avons pris la mesure de l'urgence. Ainsi, le territoire métropolitain est le premier en France à se doter en 2005 d'un plan climat-air-énergie fixant des objectifs pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation au changement climatique et de l'amélioration de la qualité de l'air. Depuis 2014, nous amplifions les transitions. Cette politique d'adaptation vise d'abord l'espace public par la lutte contre les îlots de chaleur, végétalisation, accès à l'eau, débitumisation, PLUI imposant des espaces de pleine terre à toute nouvelle opération immobilière. Elle vise également le bâti pour des équipements publics et des logements plus frais l'été, rénovation thermique massive dans l'ancien, réhabilitation thermique des écoles et équipements sportifs, normes de construction sur le neuf supérieures de 25% à la réglementation thermique nationale. Nous avions l'ambition de créer une convention citoyenne pour le climat local, réunissant des citoyennes et citoyens tirés au sort, ainsi que des experts des transitions. Cette convention a pu se mener à l'échelle métropolitaine en 2022, sans citoyennes et citoyens tirés au sort, formés et accompagnés par des experts pour répondre à deux questions. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ensemble, elles et ils ont travaillé sur des thématiques de la vie quotidienne. L'agriculture, l'alimentation, l'aménagement, l'urbanisme, la mobilité ou encore la production d'énergie. Certaines mesures font particulièrement écho aux politiques déjà menées sur le territoire grenoblois. Végétalisation, mobilité, piétonnisation, lutte contre les îlots de chaleur, alimentation bio et locale, urbanisme durable et favorable à la santé. Comme je l'ai déjà dit, nos schémas directeurs, plans de mobilité, etc., ont été des socles communs de l'ancien mandat.
Ils nous permettent aujourd'hui de répondre en partie aux propositions des conventionnels. Mais je vous rappelle, chers collègues, que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de la mise en œuvre de ces schémas et de les renforcer par ces propositions. Nous serons pleinement investis à notre niveau. Les 219 propositions des citoyennes et des citoyens sont constructives, lucides. Elles posent les problèmes et les solutions. Elles nous confortent dans le projet politique que nous portons au sein du groupe Une Métropole d'Avance. Elles nous motivent et doivent nous pousser à aller plus loin. Parce que ce travail est remarquable, accessible à toutes et tous, et émane de citoyennes et citoyens qui ont souhaité s'engager, nous nous engageons. La traduction financière de notre engagement sera la clé ou la vérité des prix. Sur les principes, nous trouvons accord. Sur les calendriers de mise en œuvre et les budgets alloués, nous savons qu'il y aura débat. Mais l'exercice d'aujourd'hui ne pourra qu'appuyer nos demandes récurrentes depuis 2020 de réorientation budgétaire et d'amplification des budgets liés à ces questions de transition. Les conventionnels ont rempli leur rôle. C'est désormais à nous de faire en sorte que cette expérience démocratique ne soit pas un simple outil de communication. Il s'agit d'être à la hauteur du travail réalisé, autant sur l'intention que sur la mise en œuvre concrète des propositions. Le respect de la démocratie et l'urgence climatique nous y obligent. Merci. La parole est à Laurent Tauviste. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je ne couperai pas aux remerciements aux citoyens pour tout le travail qu'ils ont fourni et leur implication. On les a rencontrés. Je sais qu'ils y ont passé beaucoup de temps, mais je crois aussi savoir qu'ils y ont pris du plaisir. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils souhaitent continuer à s'investir. Et c'est une très bonne chose parce que sur ces questions liées aux défis climatiques et aux transitions, nous ne serons jamais assez nombreux. Et il est vraiment important que nous puissions nous appuyer sur le maximum de monde et sur la représentation citoyenne que nous n'opposons pas, pour notre part, à la démocratie représentative. On se félicite également que beaucoup d'actions préconisées soient en fait des actions qui sont déjà mises en œuvre. Cela montre, Jean-Luc Corbet l'a dit, que finalement, les élus ne sont pas si éloignés que cela des citoyens, comme on le dit trop souvent. Qu'ils travaillent tout bord confondu sur ces sujets d'anticipation, avec leurs différences, mais surtout, comme l'a dit Bertrand Spindler, et c'est important de ne pas l'oublier, en cohérence avec les engagements qu'ils ont pris devant leurs électeurs. Et nous sommes ici à un deuxième niveau de démocratie représentative. Il ne faut pas oublier que les engagements, nous les devons d'abord à ceux qui nous ont élus dans nos communes. Oui, les élus sont des élus courageux, mais le courage, c'est aussi de respecter ses engagements. Je voudrais aussi me féliciter de la méthode qui a été mise en œuvre. Les citoyens ont travaillé de manière délibérative en essayant de construire ensemble. Cela a permis, ils nous l'ont dit souvent, de faire un pas vers l'autre avec des propositions qui, au départ, n'étaient pas majoritaires et qui, finalement, par le travail en commun, le sont devenues. Cela montre que l'on peut travailler ensemble à l'intérêt général. Et effectivement, je ne veux pas reprendre les mots de Jean-Damien Mermillot-Blondin, mais quel contraste! Quel contraste avec un conseil métropolitain qui cherche souvent à opposer les communes et leurs représentants entre elles, avec des divisions bien souvent factices, au lieu de rassembler. C'était encore cas dans l'intervention introductive de Pascal Clouert. Ce n'est pas, Jean-Damien, que nous ne savons pas faire. Nous le prouvons d'ailleurs par nos votes. En ce qui concerne notre groupe, on a plusieurs fois arbitré les débats, même entre au sein de votre majorité. Le dernier conseil, je vous rappelle que si la ZFE est votée, c'est avec l'accord de notre groupe et contre une partie du groupe de la majorité. Et là, nous sommes sur des sujets qui sont de vrais sujets impactants. Donc, ce n'est pas que nous ne savons pas faire. C'est qu'une partie de ce conseil ne veut pas faire. Ne veut pas faire pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple de dire
le camp progressiste autoproclamé. Voilà, comme ça, il n'y a plus de débat. Il y a les bons et les mauvais. C'est comme ça depuis le début du mandat. Les bons, ils ont la vérité vraie, et les mauvais, eh ben, ils sont condamnés. Et ce que les conventionnels nous montrent, je suis totalement d'accord avec toi, Jean-Damien, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et nous espérons, ce n'est pas dans les propositions, mais nous espérons que le travail des conventionnels amènera à un sursaut démocratique de cette majorité. Alors ensuite, on va en venir au fur et à mesure des délibérations, au concret. Il y avait deux questions qui étaient posées sur à la fois les actions à mettre en œuvre et sur les budgets à allouer pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le rapport nous dit 73% des actions sont déjà en cours ou programmées. Alors là, fantastique, hein ? On se demande pourquoi on est tous là réunis, 73%, hein, il n'y a plus rien à faire. En sommes-nous vraiment persuadés ? Pensons-nous vraiment, tous ici collectivement, on peut continuer sur l'auto-félicitation, pensons-nous vraiment, tous ici collectivement, que nous avons réussi à faire 73% du chemin ? Eh bien, nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas parce qu'effectivement, les enjeux qui sont face à nous et l'ensemble des actions qui sont pointées dans ce rapport, j'y reviendrai, montrent que le pas est beaucoup plus important. Alors, pourquoi est-ce que c'est 73%? Eh bien, parce qu'en fait, les décisions que vous allez nous proposer se limitent bien souvent à étudier, lancer ou poursuivre la réflexion, renforcer, transmettre à, j'en passe et des meilleurs. Vous êtes gaussés, plusieurs d'entre vous se sont gaussés du sans-filtre. Mais qu'auriez-vous dit si le président de la République avait dit « Bon, écoutez, je vais étudier, je vais lancer une réflexion sur le ZAN, ou je vais étudier la possibilité de réfléchir à la possibilité d'introduire une ZFE ». Franchement, quand on prend des engagements qui sont pour la plupart mieux communiqués, mieux étudiés, etc., c'est pas très difficile. Par contre, quand on va rentrer sur des débats de fond, et il y en a un certain nombre, et on y reviendra au fur et à mesure des délibérations, un certain nombre d'ailleurs qui sont passés sous silence dans les engagements que vous prenez, eh bien là, effectivement, on n'est plus sur une démarche aussi facile. On n'est plus dans les faux-semblants, là. Il faut véritablement agir. Est-ce que c'est vraiment étonnant ? Mais non, parce que les solutions aux problèmes compliqués que nous avons, elles ne se trouvent pas, enfin, elles ne se trouvent pas après 5 week-ends passés ensemble, et elles ne se trouvent pas, même si nous avons le courage de prendre un certain nombre de décisions, elles ne se trouvent pas forcément toujours au sein du Conseil métropolitain. Et donc, il faut accepter et il faut engager cette complexité. Pour notre groupe, ce travail constitue une photographie, un état de l'opinion des citoyens qui ont travaillé ensemble, l'instrumentaliser, comme le font certains, j'entendais encore l'intervention de Chloé. Nous, on a la vérité vraie. Écoutez, si vous avez la vérité vraie, commencez déjà à la mettre en place sur votre commune. Hein ? Non, il ne faut pas instrumentaliser. Je pense que ce serait la pire des insultes à faire aux citoyens. Il faut prendre acte des propositions qui ont été proposées, continuer à y travailler, être peut-être plus ambitieux sur un certain nombre, et puis continuer à travailler, on y reviendra dans la dernière délibération, sur le suivi avec les conventionnels. Mais, et je l'avais dit lors de la présentation, n'oublions jamais, mais d'autres l'ont dit aussi, j'ai entendu l'intervention de Bertrand qui allait dans le même sens, n'oublions jamais que si la dimension environnementale est essentielle, nous avons, nous élus, à prendre en compte toutes les dimensions qui font la vie de l'individu. Nous avons à prendre la dimension environnementale, mais nous avons à prendre en compte la dimension sociale, ça s'est très bien vu sur le débat sur la ZFE. Nous avons à prendre en compte la dimension économique, avec la défense de l'emploi, qui est la première des libertés. Nous avons à prendre en compte la sécurité de nos concitoyens, dans toutes leurs considérations.
Nous avons à prendre en compte la solidarité entre les différentes populations. Donc c'est tout ça que nous, élus, nous devons faire. Et dans ce cadre-là, les propositions des conventionnels sont un des éléments qui va nous permettre d'aller vers une société qui sera plus solidaire, plus équitable et plus respectueuse, bien évidemment, de son environnement. Merci, Monsieur le Président. Une autre demande de prise de parole sur cet élément-là. Émilie Chalas. Oui, merci, Monsieur le Président. J'interviens un peu en complément de mon collègue Laurent Tauviste parce que, à la fois sur la forme et sur le fond, sur la forme d'abord, une petite critique envers la démarche de la métropole dans l'analyse des propositions. Puisqu'en l'occurrence, et c'était très pertinent, vous avez analysé ce qui était déjà en cours, ce qui était de votre compétence ou de compétence d'autres institutions publiques, très bien, mais vous n'avez pas appliqué le filtre de ce qui relevait de décisions déjà prises et déjà engagées par l'État. Et c'est assez regrettable parce qu'il se trouve que ces dernières années, il y a beaucoup de lois qui sont sorties et qui, contribuent et répondent, font écho aux propositions de la Convention et des conventionnels. Alors, je ne vais évidemment pas être exhaustive, mais je vais vous citer trois exemples assez concrets de façon à expliquer aux conventionnels qui nous regardent et aux habitants de la métropole qui nous regardent et à partager avec vous qu'il y a aussi des réponses qui sont d'ores et déjà mises en route à l'échelle nationale, parce qu'effectivement, cela relève de compétences nationales et de l'État. Premier exemple, assez facile, puisqu'on en a beaucoup parlé, notamment à Grenoble, la loi Egalim d'octobre 2018 et l'intégration de l'expérimentation des repas végétariens obligatoires à raison de un par semaine. C'est un point soulevé par le conventionnel. La loi y répond. Il faut effectivement que cela devienne définitif, mais c'était un bon départ. Deuxième exemple, la loi anti-gaspillage et économie circulaire de février 2020. Eh bien là, sachez que sur au moins 4 dispositifs qui sont prévus par les conventionnels, la loi l'a programmé. Par exemple, le compostage obligatoire. Sachez qu'il sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024. Ça doit devenir obligatoire et c'est une recommandation des conventionnels. L'enjeu des consignes, là aussi, c'est programmé par la loi et ça fait partie de différentes propositions des conventionnels. La publicité papier que l'on condamne tous aujourd'hui parce qu'on sait combien c'est assez peu utilisé par les habitants, mais aussi combien ça gaspille de papier et d'encre. Eh bien, sachez que l'expérimentation WePub, que d'ailleurs la métropole a portée et porte encore, c'est bien cette loi qui est programmée. Et l'objectif à terme, c'est de se rendre compte, et on le voit déjà, Monsieur le Président, dans la métropole, qu'en réalité, ça fonctionne plutôt bien et ça fait des sacrées économies de papier. Ça, c'est engagé et c'est une proposition des conventionnels. De la même façon, l'enjeu et l'objectif du zéro plastique est aujourd'hui en cours en France. Dans certains fast-food, pour ne pas les nommer, eh bien, il n'y a plus de carton d'emballage ou de couvert plastique jetable. Il y a aujourd'hui des containers, des éléments de pour porter des frites ou des plats qui sont aujourd'hui nettoyables. Donc tout ça est engagé et ça fait partie, là encore, de certaines propositions des conventionnels. Et enfin, évidemment, la loi Climat et résilience d'août 2021, où là encore, on retrouve des éléments qui sont programmés et institués dans la loi, qui sont proposés par les conventionnels. Je pense à l'enjeu de la conversion des usages des bâtiments. Être sûr qu'un local nouveau de bureau puisse se transformer en logement ou inversement. Eh bien, sachez que cette loi a introduit une étude supplémentaire dans le permis de construire de ce qu'on appelle la mutabilité des espaces. Ça, c'est fait. Autre point, la rénovation dans les appartements et les copropriétés. C'est aussi engagé. D'ailleurs, la métropole a aujourd'hui propose un guichet unique pour tous ceux qui veulent faire de la rénovation énergétique pour arrêter de se disperser pour aller chercher des aides publiques, locales ou nationales. C'est fait. De la même façon encore, sur l'enjeu des passoires énergétiques, avec le DPE, le diagnostic énergétique, qui devient obligatoire, certaines passoires énergétiques ne vont plus pouvoir être louées ou vendues. C'est fait. C'est dans la loi aussi. Et enfin, un autre exemple sur la réparabilité des objets. Vous avez dû regarder dans vos achats, peut-être récents, que maintenant, il existe, comme il y a le Nutri-Score, il existe maintenant l'indice de réparabilité. C'est-à-dire que plus un objet est facile à réparer, plus il a une bonne note sur 10. Ça aussi, c'est fait. Donc, vous voyez, il y a vraiment un certain nombre d'objets comme ça qui sont intéressants. Et un dernier qui me tient particulièrement à cœur pour l'avoir porté haut et fort ici et à l'Assemblée, c'est sur la qualité de l'air et la pollution, puisque les conventionnels proposent d'interdire
l'installation ou l'utilisation de foyers ouverts concernant les particules fines, c'est une possibilité qui est faite par la loi climat et résilience, encore une fois, qui est donnée au préfet. C'est fait. Donc, vous voyez, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir ce prisme de lecture, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de décisions collectivement qui ont été prises. Enfin, deux derniers points. Moi, je voulais saluer la lucidité et j'allais dire l'avant-garde des réflexions des conventionnels sur l'enjeu de l'aménagement de la ville. Et évidemment, en tant qu'élue à Grenoble, je suis concernée particulièrement par ce sujet, sur les enjeux de la ville-nature, qu'ils décrivent à travers l'enjeu de la présence de l'eau et des points de fraîcheur, qu'ils décrivent par les besoins de mettre des dispositifs d'ombre dans les rues piétonnes, par exemple. Les propositions aussi des conventionnels qui reprennent l'enjeu de la nature en ville, avec les terres pleines, retrouver de la terre pleine, évidemment planter des arbres, mais l'essentiel étant de retrouver de la terre pleine, parce que la terre pleine permet de conserver l'eau de pluie et donc de rafraîchir les espaces. Et je trouve que les conventionnels sur ce point, à travers leurs différentes propositions, sont vraiment, vraiment à l'avant-garde de ce que doit être demain la ville nature et de comment Grenoble et la métropole peuvent se dessiner dans quelque chose de plus agréable à vivre. Et enfin, les conventionnels soulèvent deux débats que nous devrons avoir à l'avenir, qui sont aujourd'hui compliqués, mais qui devront être posés, sans présumer d'un pour ou d'un contre. Il pose deux débats majeurs, et je voulais les partager avec vous, très simplement. Le premier, c'est le débat sur le paysage urbain. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas, je crois, tergiverser et aborder ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est a priori pour ou a priori contre, mais c'est un vrai sujet sur l'enjeu de la place de la voiture dans notre métropole et sur l'enjeu de qui paye les enjeux écologiques et de transition. Et deuxième débat majeur, et là je crois qu'il y a encore un peu de travail avec les conventionnels, et tant mieux qu'il y ait un suivi pour les années à venir, c'est l'enjeu de la densité de la ville. Comment on construit la ville? Et à mon sens, c'est moins un enjeu de densité, et c'est pour ça que ça amorce le débat, mais on l'aura dans d'autres cadres, j'en suis sûre, c'est moins un enjeu de densité parce que, par exemple, dans les villes anglaises, les fameuses petites maisons ouvrières collées les unes aux autres sont très peu hautes et ça fait partie des quartiers les plus denses au monde. Donc, l'enjeu n'est pas tant la densité à proprement parler, c'est un rapport entre ce qui est bâti et ce qui ne l'est pas. Parce que ce qui n'est pas bâti peut être restitué à la nature et être en pleine terre et être de l'espace collectif à vivre. Donc, ces deux débats ont été bien, j'allais dire, pressentis par les conventionnels, l'enjeu du paysage urbain et l'enjeu de comment on construit la ville à travers la densité, le bâti, le non-bâti, les enjeux du ZAN et bien sûr les enjeux de désartificialisation des centres urbains. Merci. Merci. Deux prises de parole encore. Moi, je conçois qu'il aurait été nécessaire d'être exhaustif sur tout, sur ce qu'a fait l'État, sur ce qu'ont fait les communes, les 49, ce que fait le département, ce qu'a fait la région, ce qu'a fait l'Europe. Bon, écoutez, dans ces cas-là, on discutait des propositions des conventionnels en 2025, en termes de somme de travail. Je l'entends, mais je crois que, encore une fois, on a essayé, logiquement, hein, déjà de voir ce que nous avions fait, ce qui est quand même plutôt logique, et de voir ce que nous avions besoin de continuer à faire. C'est tout l'objet, tout simplement, des délibérations. Qu'est-ce qui est nouveau à mettre en place? Qu'est-ce qui est nécessaire de renforcer? C'est bien ça, notre sujet. Rien n'est jamais parfait dans la vie et dans quoi que ce soit. Et on ne part aucunement ici en se disant « Oh là là, formidable, tout est extraordinaire, tout est... » Non. Comme toute œuvre, elle nécessite en permanence du travail et elle nécessite d'être, je dirais... transformé, poli, modifié. C'est bien cela le sens des choses. Dominique Escaron. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je m'adresse également à ceux qui ont encore la gentillesse de nous écouter et surtout aux conventionnels qui, finalement, ont fait le job. Comme je leur ai dit, puisque j'ai eu l'honneur de les recevoir avec Pascal Couert, qui est venu monter également... dans ma commune, ils ont pu nous expliquer un petit peu les choses. Les idées, c'est pas ce qui manque. Les financements, c'est un petit peu plus compliqué, mais on en trouve encore. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de faire. Laurent Tovist l'a rappelé, hein, il y en a qui veulent carrément pas, d'autres qui ne savent pas faire, d'autres qui, etc. Donc le nœud de cette affaire, il est bien dans le faire.
Alors les idées, globalement, on les partage. C'est d'ailleurs la preuve, comme l'a dit Jean-Damien tout à l'heure, que ce n'est pas l'exclusivité d'un parti. Encore une fois, c'est des idées probablement complètement partagées par tout le monde ici. La preuve, finalement, c'est quand on prend la liste de ce qui est fait dans nos communes, on s'aperçoit qu'énormément de choses sont faites. Ça va depuis le premier contrat de performance énergétique qui a été fait à Domaine, les jardins partagés, les phares, on peut lister, mais c'est absolument exceptionnel de voir tout ce qui est fait dans nos communes. Et je sais que toutes les équipes municipales sont sur ces sujets. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je sais aussi que ce n'est pas forcément ceux qui en parlent le plus, notamment comme l'exécutif de cette métropole, qui en font le plus. L'action, elle est parfois silencieuse, elle est de terrain, elle est faite par des élus, par des volontaires, des bénévoles, par plein d'associations. Et moi, j'ai envie de rappeler aussi la déception des membres du Conseil de développement, qui eux aussi ont travaillé. Alors finalement, on nous lance aujourd'hui un challenge. Est-ce qu'on est prêt à le relever? Nous, on a envie de dire oui. On a envie de dire oui et on aimerait même avoir des garanties dans le temps. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas inventer finalement, parce que cette convention, elle a une durée limitée, nous, notre action métropolitaine, elle s'inscrit dans le temps. Est-ce qu'il ne faut pas inventer le CESEM, c'est-à-dire avoir pour chacune de nos délibérations finalement l'avis de personnes qui s'intéressent à l'ensemble du problème de l'environnement, du social et de l'économie. C'est une vraie question sur laquelle on souhaiterait quand même vous interpeller pour être efficace dans le temps. Alors nous, ça a été rappelé également, on est exclu de la gestion métropolitaine, on a envie d'être particulièrement attentif. Et finalement, on a envie de jouer ce rôle de challenge pour cet exécutif, de vous prendre au mot. On va voter pour, finalement, tout ce qui est proposé, parce que c'est que des idées intéressantes, c'est des idées partagées. On va voter pour et on sera particulièrement attentif au fait que vous arriviez, justement, à suivre tout ça. Alors, ce grand pour, il va quand même s'associer d'une petite nuance. On ne souhaite pas donner de leçons à la terre entière. Ça aussi, ça a été dit. Donc on vous demandera un vote séparé pour chacune des délibérations. Je l'explique une fois. On n'y reviendra pas forcément. C'est-à-dire que nous, on ne souhaite pas donner des leçons à l'État, à la région, au département, au SMAG et à tous les autres syndicats et aux communes. Voilà. On va déjà s'occuper de notre métropole. Il y a déjà beaucoup à faire. Et donc, on vous demandera, Monsieur le Président, un vote séparé. Voilà, merci. Merci. Je vais laisser la parole à Jean-Paul Trovero et Diana Gdou. Juste un point de méthode. Les délibérations qui sont mises aux voix concernent nos propres compétences et également ce qui relève du bloc communal, donc du champ communal. Les autres font l'objet de notes d'information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote sur ce qui est à l'État, à la région, au département. Nous allons transmettre ce que les concitoyens et les membres de la Convention ont pu faire. Vous m'indiquerez tout à l'heure, par contre, lorsque vous voulez un vote séparé, qui est de droit, hein, il n'y a évidemment aucun sujet, nous serons dans le délibéré des différentes délibérations. On y reviendra à ce moment-là, de façon précise, je vous réinterrogerai. Jean-Paul Trovero. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bon, notre groupe n'avait pas prévu de faire une intervention plus particulière que ça, en liminaire, par rapport aux travaux d'aujourd'hui. Tout simplement parce que nous avions déjà fait ce travail par ailleurs, et tout simplement parce que nous étions conscient que les propositions pertinentes faites par les plus de 100 personnes qui ont participé aux travaux et qui ont été reprises dans un document étaient suffisantes.